Le mont Everest, le point culminant de la planète, la plus haute des montagnes du monde. De l'Himalaya au mont Argoloun, des montagnes se succèdent les unes aux autres, formant un paysage spectaculaire du troisième pôle de notre globe. La montagne fait de la Chine un pays hors de pair. La chute verticale de plus de 9000 mètres dote le pays des paysages les plus diversifiés et des plus riches faunes et flores au monde. Les régions montagneuses représentent plus de 70% du territoire du pays. Quelques 160 chaînes de montagnes qui ondulent en cette vaste terre forment l'architecture de la topographie de la Chine. Et dans ces montagnes se trouvent quelques-uns des secrets les mieux gardés de la nature. Les grenouilles rousses d'Asie, une espèce d'amphibien de la famille des ranidés, vivant dans la forêt vierge du mont Changbai. Elles sont très sensibles aux variations de la température. En septembre, le feuillage des arbres commence à jaunir, se faner et tomber. L'hiver rude approche. Ces amphibiens doivent s'activer et trouver un asile pour hiberner, avant que la neige ne gèle la montagne. Dans cette forêt vierge de 800 000 hectares, pour trouver un endroit pour hiberner, les grenouilles des forêts ont besoin de suffisamment d'intelligence et d'énergie. Le pin rouge, une espèce d'excellence dans la forêt mixte de conifères et d'arbres à feuilles caduques, peut atteindre une trentaine de mètres de haut. En automne, les énormes pommes de pin tombent du ciel comme des bombes. La voie pour les grenouilles est parsemée de dangers. Si l'une d'elles tombait juste sur elle, la suite serait funeste. Les pommes mûres deviendront le noyau du fonctionnement de la forêt. Les graines dans les cônes de pin dégagent un parfum très fort au travers de l'épaisse coque. Ce sont des délices que le tamia de Sibérie attend depuis un an. Ces graines, riches en graisse, sont le plus important aliment que le rongeur rayé garde en stock pour passer le rude hiver. À l'appel du parfum, le suridé galope ventre à terre vers son but. Or, quelqu'un a pris de l'avance. En hiver, les graines riches en calories sont la précieuse nourriture que beaucoup d'animaux se disputent dans la forêt. Voici le plus gros monstre des forêts, le sanglier. Après s'être assouvi, le sanglier décide enfin de s'en aller, satisfait. Le rongeur voit enfin sa chance arriver pour de bon. Il est du cône de pin qui est devant lui, bien à l'aise. Le cône du pin rouge est d'une structure spéciale. Elle a une coque épaisse et dure. Même si elle tombe d'une hauteur d'une trentaine de mètres, elle ne se casse pas. Les incisives du rongeur
sont un outil spécialement conçu pour ouvrir ce fruit. Le petit mammifère rongeur se sert de ses bajoues pour y fourrer provisoirement beaucoup de graines de pin avant de les transporter dans des cachettes. À l'instar d'un agriculteur averti, il stocke ainsi ses aliments pour l'hiver. L'automne est une saison de moisson, une saison très chargée. Les habitants des forêts préparent leur hibernage, chacun à sa manière. Voici un ruisseau doux. Il est couvert de feuilles mortes. Quand il gèle en hiver, les feuilles et la boue forment, sous la dure glace, un micro-environnement relativement plus doux. Après avoir cherché tout l'automne, la grenouille des forêts a enfin trouvé un recoin idéal pour son hibernation. La forêt mixte de conifères et d'arbres à feuilles caduques est le principal type de forêt dans les montagnes du nord-est de la Chine. Dans les forêts du mont Chambai poussent quelque 600 espèces de végétaux. Futaies, arbrisseaux et plantes herbacées constituent le fondement du régiment alimentaire de la faune. L'environnement complexe entretient la riche biocénose. Ici, c'est un véritable musée écologique et une banque de gènes naturels. L'animal s'est affairé pendant plusieurs heures. Il est temps de prendre un bon repas. À midi, au travers de la dense couronne de l'arbre, le soleil atteint le sol. C'est le moment le plus doux de la journée. À son réveil, le bonhomme sent que quelque chose ne va pas. Un autre rongeur est en train de voler les fruits de son travail. La nourriture dans les forêts est sans droit de propriété. La règle est premier arrivé, premier servi. L'intrus commence même à déplacer la pomme entière, s'apprêtant à tout emporter. Il faut passer à l'action pour défendre les fruits de son travail. (Tousse)
Le moment décontracté après le déjeuner est soudain transformé en une bataille. Tout le monde entend enrichir davantage ses réserves de nourriture. La nourriture que les rongeurs stockent pendant tout l'automne dépassera le double de leurs besoins pour l'hiver. Plus de la moitié des graines de pin seront oubliées dans la niche et resteront au sol en attendant de germer. Sans le savoir, les rongeurs deviennent ainsi des ensemenceurs de pin rouge. La première chute de neige a couvert les forêts vierges du mont Chambai. Les sources provenant du cratère ont une température relativement plus élevée. Au début de l'hiver, les ruisseaux ne gèlent pas encore. Dans ces rivières, les grenouilles des forêts commencent déjà à hiberner sous les épaisses couches d'herbes aquatiques et d'humus. Avec l'arrivée des neiges, les températures chutent et approchent de moins 10 degrés Celsius dans la nuit. Les rivières gèlent graduellement. La glace isole un monde sous l'eau relativement doux. Les grenouilles passeront le long hiver ici. Le mont Changbai est la région où les précipitations sont les plus importantes dans le nord-est de la Chine. Les courants froids provenant de Sibérie rencontrent des courants chauds et humides de l'océan Pacifique au-dessus du mont Changbai. Après le commencement de l'hiver, elles succèdent les unes aux autres. Les forêts vierges s'enfoncent dans le monde tranquille. Elles recèlent d'innombrables créatures qui attendent l'arrivée du printemps prochain. Kulumbuir, dans le nord de la Mongolie intérieure, est l'une des villes les plus froides de Chine. En plein hiver, la température la plus basse ici peut descendre à moins 40 degrés Celsius. Au nord de Kulumbuir, le mont Grand Khingan, où l'on trouve les forêts les plus au nord de la Chine, est aussi le pôle froid du pays. La température minimale extrême peut y atteindre moins 52 degrés. En hiver, les Ewenkis, dans les forêts, sont revenus dans leur résidence fixe au pied de la montagne. Ils ont laissé leurs rennes domestiquées dans la forêt.
Ces animaux peuvent s'y déplacer librement, retournant ainsi à l'état sauvage. La Chine, dotée d'un immense territoire, est le seul pays au monde à posséder des éléphants au sud et des rennes au nord. En hiver, le calme règne dans le Grand Khingan. Le larynx a déjà perdu ses aiguilles en automne. Le soleil se jette directement sur la neige blanche dans la forêt. Ici, c'est la plus grande forêt vierge de Chine. Et aussi la ligne de démarcation entre le plateau mongol et la plaine de Songlia. Depuis un demi-siècle, le Grand Khingan a produit 130 millions de mètres cubes de bois. Si l'on construisait un enclos d'un mètre de haut et de large avec ce volume de bois, on pourrait faire trois fois le tour de notre planète. La vie est en mesure de subsister et de se multiplier dans des conditions hors de toute imagination. La nuit tombe. Des yeux brillants d'animaux apparaissent dans la forêt. Un courant froid frappe la région. La température chute très vite dans la forêt. Ce n'est vraiment pas facile pour toute espèce animale de survivre dans de telles conditions. La zibeline est menacée d'extinction en raison de la rareté de sa fourrure. Elle est un as de la chasse sous la neige. Elle est en train de rechercher une cible. La neige peut camoufler à merveille ses traces, mais rend aussi son action plus difficile. La neige accumulée dans les forêts est un réservoir d'eau à l'état solide. Dans le Grand Khingan, la neige dure plus de 6 mois sur l'année. Elle est une abondante source d'eau pour la partie est du plateau mongol et les plaines du nord-est de la Chine. Dans le blizzard, le tétras à bec noir est toujours en garde. Les forêts denses du Grand Khingan sont son principal habitat. En hiver, la nourriture manque. Le tétras fait tout son possible pour minimiser les pertes d'énergie et préserver ses forces pour le printemps prochain. La neige fond. Le printemps sera de retour dans ces forêts à 1000 mètres d'altitude.
La flore n'est pas encore réveillée, mais la faune commence déjà à réagir à l'appel de la nouvelle saison. La neige n'a pas encore complètement fondu. Les tétras à bec noir se mettent déjà à danser une danse originale, signe de parade nuptiale. Le printemps est arrivé. Le coq débute son marathon d'amour. Cette danse durera environ 40 jours. Leurs mouvements et cris sont primordiaux pour séduire les poules. Mais c'est une danse en solo. La poule ne montre toujours pas le bout de son bec. L'expression de l'amour pourrait amener de très grands risques. Au cri du tétras, une zibline arrive. Elle est un excellent grimpeur. Elle a un besoin urgent d'apaiser sa faim de tout l'hiver. Le coq en extase dans la danse en quête de la poule serait une proie idéale pour la zibline. À l'instant de l'attaque fatale du prédateur, le tétras s'est échappé. Au bout d'un mois de danse et de chant, une poule apparaît enfin sur une branche d'arbre. C'est maintenant ou jamais. Le coq se foule à danser. Or, un rival arrive aussi. Un duel est inévitable entre eux. Observation, contact, lutte. Ils essaient d'émouvoir l'arbitre au perché sur la branche par leur danse. La Chine est réputée pour sa richesse en phasianidés. Parmi les 276 espèces de phasianidés dans le monde, la Chine en compte 56. Dont 26 sont placés sous protection en tant que trésors nationaux. Les phasianidés sont des oiseaux reconnus les plus beaux du monde, par tous. Le vainqueur voit enfin le jour. Plumage en bataille, blessures au cou.
mais il obtient la meilleure des récompenses. La poule vient près du vainqueur. La topographie bombée, escarpée en région montagneuse, forme un climat très particulier. Le système de montagnes complexes et diversifiées influe sur la répartition de la faune ainsi que les fonctions de cette dernière. Dans un pays peuplé de 1,4 milliard d'habitants, les montagnes créent des milieux mystérieux et procurent un asile pour les créatures. Leurs histoires singulières, héritées des temps les plus anciens, se transmettent de génération en génération dans ces montagnes.